Salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo de gameplay de Baby Light Killer avec la Huntress, un build bien basé sur l'endommagement des générateurs et l'utilisation donc rapide de vos hachettes. C'est parti. On va prendre le tour et jouer du clown qui fait qu'après avoir hook un survivant, eh bien le générateur suivant que vous allez endommager perdra immédiatement 30% de progression actuelle et cette compétence est active pendant 45 secondes après le hook. On va prendre nulle part où se cacher du chevalier qui fait que lorsque vous allez endommager un générateur, vous allez révéler l'aura de tous les survivants qui se tiennent à moins de 24 mètres de votre position pendant 5 secondes. On va prendre l'éruption du Némésis, qui fait qu'après avoir endommagé un générateur, vous allez donc avoir son aura qui devient jaune. Lorsqu'un survivant se retrouve en état critique, chaque générateur donc affecté va exploser, perdant 10% de progression et il commence à régresser. En plus de ça, tout survivant qui répare un générateur quand celui-ci explose se met à crier et son aura est révélée pendant 12 secondes. Cette compétence a un temps de récupération de 30 secondes. Enfin, on va prendre l'impasse du Cénobite, qui fait que lorsqu'un générateur donc, est complètement réparé, l'entité bloque le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes, et vous verrez son aura en blanc. En add-on, on a pris le manche en chaîne, qui va réduire de 20% donc, le temps de recharge du lancer de hachette, et la poupée russe à fleurs, qui va réduire de 12% le temps de préparation donc, du lancer de hachette. Alors déjà avec ces deux add-ons, du coup, vous allez utiliser au maximum le potentiel donc, de pouvoir de la Huntress, à savoir vos hachettes. Donc vous allez pouvoir surprendre les survivants, notamment dans les loops. Par exemple, vous êtes sur un loop à fenêtre, ne préparez pas votre lancer de hachette du coup en commençant à être dans le coin, mais bien avant. Comme ça, au moment où vous allez tourner, vous allez lancer immédiatement la hachette et le survivant du coup sera forcé de prendre le hit, à part bien évidemment s'il a eu le temps un tout petit peu avant pour dodge. Ensuite, avec le combo donc des perks, eh bien, vous allez pouvoir mettre un maximum de pression au niveau des générateurs, puisque lorsque vous allez endommager tout simplement un générateur, si au préalable vous aviez aucun survivant, vous allez déjà activer le tour et jouer. Donc vous allez pouvoir faire perdre donc, de la progression au niveau des générateurs. On parle bien de progression actuelle. Faites attention, essayez de toujours endommager du coup le générateur avec la meilleure du coup progression afin de pouvoir eh bien, endommager au maximum donc celui-ci. Lorsque vous allez donc endommager les générateurs, vous aurez donc le tour joué. En même temps, vous allez appliquer l'éruption donc à chaque fois à tous les générateurs du coup que vous allez donc endommager. Et si jamais, admettons, lorsque vous mettez un survivant en état critique et que vous avez 3 voire 4 générateurs exemple du coup qui sont eh bien affectés par eh bien l'éruption, vous allez faire donc exploser tous ces générateurs et ils perdront tous 10% et ils commenceront à régresser. En plus de ça, vous pourriez également avoir du coup l'aura d'un survivant et vous pouvez pourquoi pas tenter du coup de surprendre celui-ci avec un shoot à distance. Enfin, avec le nul bar où se cacher, à chaque fois que vous allez endommager du coup un générateur, vous allez donc avoir l'aura de survivant donc qui serait donc à 20, à moins de 24 mètres pardon, de votre position pendant 5 secondes. Ce qui fait que si jamais vous avez des survivants qui se cachaient à côté d'un générateur pour tenter eh bien, de le reprendre immédiatement après votre départ, eh bien vous auriez un effet de surprise sur eux. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay, ça se passe sur Macmillan. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le petit pouce bleu et la cloche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch et YouTube du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur des BD et bonne chasse à tous. La shack du coup de Backwater, l'ancienne et le gros main, vous avez une forêt limite. Voilà, bah, c'est ça la nouvelle Backwater. Ok, donc on est là. Donc, très bon main ça aussi. Hein. Bon bah j'aurais pas eu Hormon, dommage. Ok. Dommage, on va péter. Et on va les attendre ici du coup. Salut. Ça va les BG? Il me reste une hache. Oh, bien joué, très bien joué ça David. Très très bien joué BG, hein. Vraiment. Il y avait de l'idée. Ok, nice. Et la game commence très bien. La game commence vraiment très très bien. On a le basement ou pas? On n'a pas le basement, mais bon, on a un hook ici. Pas grave. Allez, go. On va aller sur le monticule pour voir si on peut snipe. Billy, il est trop cool, ouais. Oh ouais, bébé. That's what I'm talking about, bitch. Ah. Allez, ça dégage. Oh.
Ouais, allez. Ah purée, quoi, je kiffe. Moi, je la trouve pas forcément. Je la trouve pas forcément extrêmement ouf. Hein. En fait, situationnellement parlant, elle peut être très bien, la perk, là, Grim Embrace. Oh là là, mais je suis un sniper là. Arrêtez-moi en fait. Il m'arrive quoi là? Je leur ai mangé leur pépito ou quoi là? Oh bien joué. Oh putain, il me... Ah, champion de la lumière. Ça y est, il me l'a mis. Ok. Oh bien joué. Bien joué, bien joué, BG. Bien joué à toi, mon ref. Dommage, si ça avait touché, ça aurait été sexy. Bon, on perd déjà deux gènes. Après, en soi, voilà. Hein. Comme je dis. Là, je teste des dingueries un peu. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr que lui, il était venu là. Puisque j'ai vu le... Il va flash ou pas? Ok, mais ça fonctionnera pas. Il est là. Ok, parfait. Je crois qu'il y a la... il y a le basement ici, hein. Ok, nice. Alors, du coup, on a payé un David, on a payé un on a payé un Elodie, on a payé un du coup Alan. La map elle est immense. Ok, let's go, nulle part où se cacher Value. On fait genre on l'a pas vu et en fait on l'a vu. Ok. Bien joué. Nice dodge. Elle va prendre la fenêtre. Ok, parfait. Le jeu là. Allez, nickel. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Ok, là-bas, il y a... Dommage. Bien joué. Parfait. Ok, nickel. Allez, on lui met là, lui. J'aurais pas le temps, du coup, malheureusement, d'aller... d'aller, du coup, m'occuper, donc, de... On va reload. Ouais, mais là, il reste que deux hooks. Je suis désolé, Bichette. Il reste que deux hooks. Il reste que deux gènes, pardon. Malheureusement, il va... Ça me dérange pas, David, mon ref, hein, tu sais... Oh, bien joué. Je pense que là, il va drop. Oh, bien joué, David. Très bien joué, ça. Allez, sexy. Allez, c'est sexy, David. Bien joué. Ok, mais là par contre, Elodie, t'abuses un peu. On va revenir sur toi du coup, puisque j'ai vu que t'étais blessé. Le David, il m'intéresse pas. Pour le coup, c'est vraiment elle qui m'intéresse. C'est vraiment elle qui m'intéresse parce que il faut absolument un kill là pour mettre de la pression sur les survs. Le problème, c'est qu'elle a pris beaucoup de distance. Elle est où?
Ouais. Elle est là-bas. On va tenter un shoot, mais oh, dommage. Dommage. Je l'avais vu, mais là, c'était impossible. Hein. C'était impossible, du coup, à tenir. Ok. Allez, on va reload. Ils sont tous les quatre blessés, en vrai. Merde. Putain, je suis tombé. Je suis vraiment une merguez. Je suis vraiment une gaze. Ah bah, t'es morte, hein, du coup, toi. Hein. Ouais. T'es morte. Allez, bien joué. Nice. C'est bien joué. Ok, ça va se reset. Essaye de prendre un peu de hauteur. Je pense qu'ils vont se reset là-bas, moi. Je pense qu'ils se reset au niveau du gène. Ils vont se reset là-bas, je pense. Ouais, voilà, ils sont là. On a vu l'autofond là-bas. On a vu Wake. David, il est pas mauvais, hein, pour le coup. Franchement, il a pas trop mal loupé. Tout à l'heure, voilà. Mais Wake, du coup, lui, il est là. On va plus aller sur Wake. Parce que... parce que, bah, il était en zone morte. Sauf que Wake, en fait, il m'a saucé. J'ai déjà lui, en vrai, mon ref. Comme j'ai pas de nulle part où se cacher, je peux pas te spot. Ah bah, GG. Mauvaise décision de ma part. Ah non, salut, je savais bien que t'étais là, mon ref. Coucou. Je savais bien que t'étais là. Voilà. Toujours faire un petit fake, du coup, avec votre hachette. Vous verrez, ça passe dans énormément de situations. Le survivant, du coup, se décale. Il revient instantanément. Vous lancez. C'est un hit. Allez, pas mal. P2. Il y avait Jake, hein, qui était là. Hein. Donc, ok. Le Jake, il est là-bas. Le David, on peut être sûr qu'il est reparti, du coup. Sur le générateur, du coup, immédiatement là-bas, le Jake, il est là. Hein. Je pense vraiment que le Jake, pour le coup, il est pas loin. Ok. On va avoir l'info ou pas, hein. Le Jake. Ok, nice. Donc le Jake, on sait qu'il est derrière le mur qui est là, là. Ok. Parfait. Ok, le body, on body. Dommage. C'est dommage. Le David, il est pas mauvais. Hein. Allez, ça a relevé du coup. Bien joué. Sachant que par contre, ils ont vraiment pas les portes qui ont été ouvertes. Il y a peut-être vraiment le moyen encore de gratter. Faut gratter, faut toujours gratter. Toujours. Jamais abandonner. Là, les portes, pour le coup, elles sont vraiment très loin. Ok, on a vu le Jake. Oh là 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 là, t'en parleras à tes enfants, mon ref. T'en parleras à toute ta lignée. Et du coup, il nous reste Alan. Est-ce que Alan, il va vouloir faire le beau jeu ou pas? Est-ce que Alan, il va vouloir faire le beau jeu ou pas? Bon, on va les... je vais les ramasser, vas-y, on s'en fout. La game a été tellement belle qu'en soit... même s'il y en a un qui sort. Mais c'est magnifique! J'avoue que là, pour le coup, sur cette game, je suis assez chaud. Ouais. On va pas se mentir, c'est pas mal. Ah non, j'aurais pas la ligne là. Allez, c'est pareil, il est mort. Donc là, il y avait Alan qui était venu. Alan qui va se barrer, je pense, immédiatement. Pour le coup. Dommage.
pense que Wake il est là. Il est forcément quelque part. Hein. Non? Ok. Bah, franchement, GG à toi, je sais pas où il est. Il est obligatoirement quelque part. Hein. Hein. Où est-ce qu'il est? Moi, je suis sûr qu'il est dans la chaque. Après, je me trompe peut-être, hein, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il ait eu le temps d'aller ailleurs. Ok, bon écoute, on va aller voir ailleurs. On s'en fout. Que tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il avait genre volonté de faire. Ouais, c'est ce que je voulais faire, ouais. Voilà, j'en étais sûr qu'il était à l'intérieur de la chaque. Il a volonté de faire et je l'ai vu, il vient de se mettre accroupi. Du coup, il a évasion urbaine, je pense. Également comme... voilà, il est là, du coup. J'en étais sûr qu'il était là. Bah ouais, mon ref, je t'ai vu. J'en étais sûr, c'était impossible qu'il puisse aller, du coup, plus loin. Mon petit nez m'a dit que... Ouais, vas-y, désolé, faut que je pipe. Sinon, je t'aurais fait sortir en vrai, mais... Mais là, j'ai envie de pipe pour finir, du coup, la course à l'Irisée 1. Hein. GG à vous, du coup. Ah, c'était une belle game, en vrai, c'était cool. Et merci pour les GG, Tino, du coup. Et merci pour les GG à tous.